Ah oui, l'accès premium, oui. Réveille-toi, gros porc. Réveille-toi, Didounet. Wake the fuck. Mais laisse-moi dormir, Zimpi. Y'a mémé qui te cherche, Link. Remercie. Mais bordel, elle veut t'offrir ton cadeau. Remercie. Mais Link, c'est Nintendo. Hey Link, appuie sur le bouton de lock. Quoi? Appuie sur le bouton de lock, Link. Link, appuie sur ce putain de bouton de lock. Non. Petit enfoiré de fils de pute. Il paraît que t'as un cadeau pour moi, grand-mère. Tiens. C'est de la merde. Tu aimes? Bah comme je viens de te le dire, c'est de la merde. Hey Link, viens, je suis triste. Hey Link, j'ai besoin d'une épaule sur laquelle me reposer. Eh, vas-y, fais pas ta pute, fais pas ton épaule. Il me court après, l'enculé. Alors ce cadeau, tu m'as baisé, Ariel. C'était pas une Nintendo. Cadeau, cousin. Ok, je te pardonne. Vas-y, essaye-le, qu'est-ce que tu vois? La meilleure chose au monde. Oh mon dieu, Link, regarde en haut. Bien, oiseau. Link? Ah oui, pardon. Putain, mais qu'est-ce que... Je suis cool. Prêt? Oui. Quand je baisse le bras... T'envoies. Ah ouais, fais ce chou. Putain de merde. Il faut absolument sauver cette fille. Pourquoi? C'est le scénario. Ok, c'est parti. Orko, j'ai besoin de ton épée. Vexe-moi et je te la donne. Tu es chaud. Tu t'enculais. Je vais faire bûcheron. J'arrive, madame. Ne bougez surtout pas. Lâche-moi, je vais te niquer. Mais quelle icône, celle-là. Bonjour, au revoir. Elle dit ta mère. Eh, hey, grand frère, regarde-moi, je suis de l'autre côté du pont, grand frère. Je suis en train d'agiter le bras, grand frère, regarde-moi. C'est qui cette folle? Ma soeur, c'est Goéland, la con. J'ai envie de pisser, Tétra. Laisse-moi te rejoindre, grand frère, alors qu'une musique tragique va commencer incessamment sous peu. Oh shit. Au secours. Viens là. T'es mort. Je vais te tuer à main nue. Aujourd'hui, toi et moi, c'est la bagarre, je m'en bats les couilles. Putain, mais calme-toi, tu veux mourir ou quoi? Moi, je suis pissé dessus. Je dois sauver ma soeur. Emmenez-moi avec vous. Non. Emmenez-le avec vous. D'accord. J'ai juste un truc à faire avant. C'est bon, on peut y aller. Bon, maintenant, t'es un pirate, frérot. Ça rigole plus. Tu es entouré de guerriers sans pitié. Oh oui, t'es toute mignonne, toi. T'es ma petite catapulte à moi. Sauf lui. Allez, va voir Nico. Moi, j'ai autre chose à foutre. Souké les Artémus. Ça veut rien dire, souké les Artémus. Oh, t'es le nouveau. Oui. On joue à se balancer de corde en corde? Non. Alors, vous avez bien joué? J'ai adoré, putain. Bien, on est arrivé à la forteresse maudite. Ta sœur est sûrement dans la pièce où il y a les goélands. Comment j'y rentre? J'ai une idée. Et ce clignement d'œil en témoigne. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis pas sûr de... Bien se passer, ne t'inquiète pas. Splish. Qu'est-ce que... J'ai un truc dans le cul. Fais attention, Link, tu n'as plus ton épée. Il faut être discret. Hey, compte sur moi, je suis la discrétion incarnée. Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Petite sœur, je vais te sauver. Ouais, mais fais attention parce que... Je suis beaucoup. Mais merde. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Oh mon dieu, il m'amène sûrement devant le grand méchant. Que m'apportes-tu aujourd'hui, roi Kura? Beaucoup. Ouais, c'est bien ce que je pensais, oui. Oh putain de merde, j'ai jamais vu un manteau aussi menaçant. Allez, dégage-moi ça. Oh, je viens de me niquer. Je me suis bloqué, fils de pute. Link, Ganondorf fait de retour et menace notre monde. Il faut retrouver les trois perles pour ouvrir le passage vers Hyrule. Tu es qui? Va donc nous chercher une voile, et profites-en pour faire le tour des commerces. Bonjour, un bateau rouge qui parle m'a dit de me sociabiliser. Eh, mets-toi bien, frérot. Je vois que tu consommes la même chose que moi. Je suis... Heisenberg. Oh mon dieu, vous êtes le célèbre. Heisenberg. Oui, c'est moi le célèbre. Heisenberg. Ok, donc y'a moyen que vous puissiez me faire une petite potion. Ah, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas. Laisse-moi faire. Eh, vous êtes certain que... Voilà, mets ça comme ça et... Je peux avoir une voile? Tiens, voilà une voile. Ça y est, j'ai une voile. Bien, Link. Direction l'île du dragon. Surtout, tu demandes bien la perle de Dain. Oui, la perle de Dain. C'est noté. Bonjour, j'ai besoin d'une perle rouge. Mais qu'est-ce qu'il dit ce con? Monsieur, je crois que ce petit connard veut parler de la perle de Dain. Ah mais ça, c'est mon fils qui l'a. Va lui donner une lettre. Pourquoi? C'est le scénario. Portail de merde. Salut, il me faut la lettre pour Scaf. Oui, bien sûr. Rejoins-moi dehors après pour me soulever. Faisons comme ça. Tiens, Scaf, une lettre de ton père. Bordel, mais c'est la facture d'électricité, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est réglé, votre enfant est mort. Nickel. Bien, comme convenu, je vais te laisser me soulever. Merci Link, je vais pouvoir aller calmer Valou. C'est vrai qu'il a l'air sacrément vénère. Tiens, je t'offre ce cadeau pour sceller notre amitié. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Surprise! C'est donc toi qui fais chier Valou. Tu vas faire quoi? Je rache un œil. The fuck you say! Merci Link, tu nous as sauvés. Ouais. Même Valou a l'air super content. Tiens mec, voici ta perle de Dain. C'est bon, j'ai la perle rouge. De Dain, direction l'île aux forêts. Demande à l'arbre Mojo la perle de Pharaon. C'est une perle verte, putain de merde. Ah, ok. Monsieur Mojo, où êtes-vous? Link, aide-moi Link, j'ai de l'acné. Waouh, ça marche vraiment. Merci de m'avoir sauvé, Link. Approche-toi de moi, que nous puissions discuter. Mais dites pas que ça c'est... Oui, c'est ma bite, oui. J'ai besoin d'une perle verte. Tiens, la voici. C'est trop facile. J'ai l'impression qu'un élément va venir foutre la merde. Bonjour, je suis l'élément qui vient foutre la merde. Oh, on va te faire foutre. Monsieur Mojo, du Moria est tombé dans les bois défendus. Link, je m'en remets à toi. Sauve-le et je te donne la perle. Évidemment. Tiens, ça te permettra d'y aller. Prends la feuille pour planer. Ça m'a pas l'air très légal. Elle est pour toi.
Du Moria. Lâche-le tout de suite. Cal, Demos. Arrache-moi la tête. D'accord. Je ressens comme une profonde douleur. Merci d'avoir sauvé du Moria, Link. Pour fêter ça, une petite musique. C'est de la merde. Allez, mes enfants, partez agrandir la forêt. C'est bon, j'ai la perle verte. La perle de Pharaon. On va où? En avant pour l'île du poisson, Link. Est-ce que cette fois, on pourrait éviter de... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça sent la pluie, ça. Mais vous arrivez trop tard, les frères. Le poisson que vous cherchez est sur l'île de l'Aurore. Il a une tête d'oiseau. Et les pirates vont y aller aussi. Ils passent d'abord à Mercantile. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il pleut comme vache qui pisse. Bien, voilà à Mercantile. On doit trouver un bateau pirate. Là, c'est peut-être le bateau qu'on a vu sur la gauche dans la cinématique juste avant. Je ne sais pas, Link, je n'en sais rien. C'est si lointain. C'était il y a littéralement 4 secondes. C'est peut-être même ce bateau qu'on voit actuellement au fond pendant qu'on parle. Oui, sûrement, oui. Ouvrez la porte. Le code. 29AJC48. Non. 4. Non. 7. Non. Jean-Claude Van Damme. Non. Cacahuète. Non. Évidemment. Ouais, trop cool, Link, t'es de retour. On joue à se balancer de corde encore. Non, ferme ta gueule, je viens juste pour les bombes. Ça va péter. C'est bon, j'ai des bombes. Direction l'île de l'Aurore. Pendant qu'on est là, tu devrais peut-être en profiter pour aller voir tes proches. Link, j'ai été coronet. Aide-moi, Link. Ils vont bien. Ok, c'est parti. Péter, péter, péter. Surtout par pitié, tiens-toi bien devant Jabu Jabu. Fais-moi confiance. Poissonnet. Jabu Jabu, il nous faut la perle de Nairu. Tiens, la voici. C'est trop facile. J'ai l'impression qu'un élément va venir foutre la merde. Ah non, nous avons les trois perles, Link. Es-tu prêt pour l'épreuve des dieux? J'ai juste un truc à faire avant. C'est bon, c'est parti. Waouh, c'est vraiment magnifique. Cette forme géométrique est plus communément appelée un triangle. Pour construire pareil ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire. Du coup, faut passer l'épreuve des dieux. Facile, mon con. Je ne serai pas si je faiblis. Arrête, arrête. C'est un arc de bébé. Te voilà donc enfin, élu. Es-tu prêt hein? J'ai réussi. Bien, retiens ta respiration. Ouais. On est où? Bah il roule. Va chercher l'épée légendaire, Link. C'est sûrement ça. Ah, putain de sa mère. C'est une bonne épée. Ah, il m'a niqué le pied. Il m'a niqué le pied. C'est bon, j'ai l'épée légendaire. J'ai mal. J'ai beaucoup. Putain de merde. C'est fini, Ganondorf. J'ai l'épée légendaire. Ainsi, c'est donc toi qui veux m'empêcher de réaliser mes sombres desseins. T'as dit ça. Tu ne peux rien face à moi, petit. Tu es très moche. Attends ta gueule. Je ne faillirai pas. J'ai failli. Tu vois, t'es une merde. Va baiser tes morts. Du con, ton épée n'a plus aucun pouvoir. Tu dois mourir. Bonjour. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Et à qui ai-je l'honneur? Laisse-moi t'attaquer sans utiliser le poignard que j'ai dans ma poche. Et merde, ça n'a pas marché. Eh non, revenez. J'avais des projets pour ces deux jeunes enfants. T'inquiète pas, Link, elle fait juste une petite crise d'hypoglycémie. Un Mars et ça repart. Le bateau qui parle nous a dit de descendre. Un bateau qui parle, oui. Je suis le lion rouge. Link, tu ne me reconnais pas? Tu me dis rien, frérot. Un gros porc déguisé en arbre de Noël, je m'en souviendrai. C'est moi le bateau qui parle. Non, ça me dit rien. Bon, ok, Tetra, t'es une princesse. Pardon? Maintenant, il faut que cette épée retrouve ses pouvoirs, Link. Comment? En allant au temple de la terre et du vent. Y'a un problème là. Pourquoi ça va? Tu es venu ici pour rien, jeune élu. Retrouve mon descendant qui a le même instrument que moi. Medouli, tu es la descendante d'un poisson. Oh, tant de merdisme m'a pris en si peu de temps, me donne envie de m'évanouir. C'est rien, c'est une crise d'hypoglycémie. Donne-lui un Mars, frérot. Il va la fermer, sa gueule. Donc là, si je joue de la lyre, ça ouvre la porte. Oui, tout à fait, oui. Bravo. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. T'as pris quelque chose? J'ai rien pris. Quel bel organe! Je vous remercie. Ce gros porc. Tout le monde m'appelle le gros porc. Oh non! Oh la lumière, merde! Bien, redonnons à l'épée ses pouvoirs. Merci. Nous voici sur l'île du vent, Link. Cette fois-ci, sois respectueux avec le sage du vent. Et t'inquiète, frérot. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Je suis un enfant de la forêt. Ouais, un clodo, quoi. Trouve mon descendant qui a le même instrument que moi. Du Moria, tu es le descendant d'un enfant de la forêt. Ouais. Je suis pas plus rapide. Je suis un grand magicien. Maintenant, faut que tu joues du violon pour faire briller mon épée. Ça va trop vite entre nous, Link. Oh, comment je suis trop puissant, hein! Oh, les jaloux vont m'écrire de ouf! C'est bon, les pères, trouvez tous ses pouvoirs. On peut aller casser du Gerudo. Mais voyons, Link, il nous faut d'abord la Triforce du Courage. C'est fait. Ah, pourquoi c'est aussi rapide? Parce que la quête des morceaux de la Triforce, personne n'en a rien à foutre. Me voici, Ganondorf. Silence. Je vais lire les rêves de cette jeune fille.
Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'accès premium? Bon, on se bat, oui ou merde? Soit. Je vais donc t'oxyre le fion comme il se doit. C'est joliment dit. Ouais, hein. Transformation. Tu t'es encore... Je me suis encore bloqué, enfoiré. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Impressionnant, non? C'est de la merde. Et comme ça? C'est de la merde. Et comme ça? J'aime bien ça. T'aimes bien ça? Oui. Ouais. T'aimes bien ça? Ça, j'aime bien. Ouais. Le bout de la queue est toujours le plus sensible. Enfoiré, comment as-tu trouvé mon point faible? Le bout de la queue est toujours le plus sensible. Mais ça, on l'a déjà dit. Si tu veux sauver ton monde, rejoins-moi en haut. Ah ouais? Et comment tu vas monter? Comme ça. What the fuck? Il est temps pour le combat final, Ganondorf. Je pense à mon pays natal. Il était au milieu d'un désert. Hein? Le jour, un vent incandescent l'embrasait. Attends, mais j'en ai rien à foutre. Quand la lune se levait, le vent devenait glacial. Putain, mais qu'est-ce que... Je me rappelle, j'allais à la boulangerie de Madame Duchemin pour... Bordel, mais tu vas la fermer, ta gueule! Personne n'en a rien à branler. C'est fini, Link. J'ai ton triangle. La Triforce du Courage est maintenant mienne. Je t'emmerde, voleur de triangle. Et avec la Triforce de la Sagesse de Zelda, la Triforce est complète. Je vais pouvoir exaucer mon vœu et dominer Hyrule. Il me suffit juste de la toucher. Et je voudrais une petite culotte. Oh bah ça. C'est fini, Ganondorf. J'ai fait un vœu deux fois plus utilitaire que le tien. Ganon ne fait pas le poids contre le roi. Oh, ça va chier. Je vais vous baiser jusqu'à la moelle. Mais avant, laissez-moi une fois de plus fixer l'horizon en pensant avec mélancolie à mon pays natal. Bah du coup, merci. Salut Thierry, il me faut des munitions. Ah ouais, toi? Et ta fille, toujours en comptabilité? Assure un autre ton, Thierry, hein. Tu me parles pas comme ça, Thierry. Va te faire foutre, Thierry.